Allez, salut à tous et à toutes, c'est Connettre pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le mode arène. Cette fois-ci on va se lancer, on va espérer que ça va pas bugger. C'est parti. Est-ce que ça va me coûter justement des golds ou pas? J'avais peur que ça me coûte de l'or. Et on va espérer que ça ne bug pas aussi, histoire de pouvoir faire une arène en entier, sans qu'à la fin du premier combat ça bug déjà et que ça... Ça nous... Si le match freeze un peu, c'est normal, hein, t'inquiète pas. Ah non, ça n'a pas bugué. Pardon, excusez-moi. Ça nous a bien compté. Ah, c'est pas mal ça. On peut quitter le mode arène et revenir quand on veut. Donc d'accord, on a bien eu une défaite. C'est juste le truc qui avait bugué. Donc, je remonte vite fait le deck très rapidement, voilà. Hop, 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 hop. Encore, encore. Voilà. Donc voilà, on va se lancer dans une deuxième partie. Vous voyez qu'il est quand même beaucoup sur la... sur des cartes à 3 de mana. Mais bon. Ça permet de faire des combos après. Donc, voilà, c'est cool. Je pensais que j'allais recommencer à mode arène, mais non. Bon, première défaite. Et en plus, c'est passé vraiment à rien. Donc j'espère qu'on va pouvoir quand même réussir à gagner. J'ai même pas dit bonjour à mon adversaire la partie d'avant. Je crois. Non, je crois que j'ai pas dit bonjour. C'est très mal poli de ma part. Est-ce que je vais faire cette partie-là pour me rattraper? Et on va espérer tomber sur un peu... Enfin, on espère avoir un peu plus de chance que la partie d'avant, parce que la partie d'avant, je vous rappelle que j'ai perdu, et que l'adversaire n'avait plus que 1 de vie. Voilà, c'est un petit peu rageant. Surtout que j'aurais dû m'y prendre autrement, en fait. J'aurais dû d'abord tuer un ou deux de ces monstres pour pas qu'ils puissent me finir. Puis après, je l'aurais rushé un peu plus après, c'est pas grave, mais bon. Alors... C'est un peu cher en fait. On va espérer tomber sur un peu mieux. En plus, je crois que c'est pas moi qui commence, donc ça va. À chaque fois que je commence, souvent c'est mauvais. Mais là, je commence pas et pourtant, j'ai pas des si bonnes cartes que ça. Oui, que la pièce, j'ai quasiment pas utilisé la partie d'avant, donc je sais pas si ça vaut le coup de l'utiliser pour claquer un totem. Beaucoup vont me dire que non, ça vaut pas le coup de claquer une pièce pour ça. Franchement, vous avez raison. Parce que je vais le regretter, hein. J'aurais pu tomber sur un totem bien. Je vois pas ce qui aurait pu me sauver, mais bon, enfin bref. Et guerrier, évidemment. On a oublié de lui dire bonjour. Bonjour. On va enlever ça de son côté. Voilà. Bien, vous devez entendre mes cliques de souris des fois. Je suis désolé. Puis on va jouer ça. Génial. On va aller loin. Et allez, ligne 40, laisse-moi gagner s'il te plaît, je t'en prie. J'ai pas envie de faire deux défaites. Plus pour mon début en arène, faut être gentil, je sais pas, faut être sympa. Que faire? On va peut-être faire ça. Et voir si on a un bon totem. Et si on a un bon totem, peut-être lui rajouter de la vie. Pff, ça sert à rien. Bon, si je leur rajoute de la vie. Oh non, ça sert à rien. Si j'avais un taunt encore, je leur aurais rajouté de la vie, je pense. Parce que pour rappel, cette carte donne 2 de vie. Enfin, plus 2 de vie à chaque totem. Donc c'est plutôt pratique. Mais j'ai pas beaucoup de sorts dans mon deck. Voilà, il me le tue. Il me l'enrage. Évidemment, deux cartes, voilà, boum boum. J'aurais peut-être dû les booster. Mais bon, peut-être que mes totems me serviront plus tard. Vous allez me dire, certes. Mais bon. Je joue ça parce qu'elle me fait suer. Du coup, j'ai plus de mana. C'est vrai que ça coûte cher cette connerie. J'aurais peut-être dû jouer l'Oasis Snapjam en anglais. De toute façon, même en étant ces deux cartes dessus, il m'aurait pas tué. Vas-y, bye, je dirais rien. La créature hein, qui bye, inquiétez pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ah d'accord, elle peut se faire mal elle-même. Ok, donc elle fait un dommage à chaque fin de tour. Et ouh, ça va faire mal celle-là. Puisqu'elle gagne plein de vie. 7 de vie. Ouais. Plus efficace que celui-ci, parce qu'il a plus d'attaque par rapport à celui-ci. En gros, cette carte, c'est un dragon qui donne
qui gagne plus 1 de vie à chaque créature qu'on a dans sa main. Comme vous voyez, il s'en bat les couilles, puisqu'il a un taunt. Évidemment, c'est moi qui lui ai donné. Alors là, il commence à bien comboter, et j'ai rien pour lui faire des dégâts de masse. Donc j'ai un peu peur. Déjà, on n'a pas trop le choix. Elle est trop puissante, cette carte. Et puis on va mettre le golem des moissons. Déjà, il a beaucoup moins d'attaque, là. On va mettre ça. Ça lui fera toujours un de moins. Et voilà. Il a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 5 dommages sur table. Bon. Je suis déjà à 18, par contre lui il est à 36, donc ça va pas le faire. Faut vraiment que je... Il passe complètement au-dessus de mes monstres, il s'en fiche complètement quoi. Il sait qu'il a ce taunt là. Il me faudrait un truc de dégâts de masse, il a 3, 1, 1, 1, 1, 1. Oh, c'est vraiment dommage que j'en ai pas dans ce deck là. Oh, ça aurait été beau. On va éteindre la lumière là-bas. Non, 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 ça va pas le faire là. Oh putain. Et il rush vraiment sur moi. Hein. Il en avait rien à faire. Faut dire que j'ai pas fait un dommage depuis le début. Qu'est-ce qu'on va faire? On va silence celui-ci, rien que pour pouvoir passer au-dessus. Donc là, il a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est dommage. Ah, c'est à elle que c'est dommage. Je crois que c'était une créature aléatoire. On va mettre celle-ci. Ok, c'est quand je fais un sort. Mais j'ai pas de sort. Peut-être celui-ci. C'est un sort. Si je claque, ça servira à rien. Juste à invoquer une 1. Alors 4 d'attaque. Est-ce que ça vaut le coup que je tue une de ces créatures? Ou est-ce qu'il faut que je rush? Pff, attendez. Qu'on réfléchisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va vite voir. Ça sert à rien que je l'ai lâché, c'est juste pour avoir une 1. D'accord. C'est parti. Il n'a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'attaque. C'est quand même assez mal et moi j'aurais pas... A mon avis, il va me battre avant que je réussisse à le battre. Parce que je crois que j'ai quasiment pas de taunt, mais ils peuvent sortir maintenant. Ça serait très très bien si je pouvais avoir un taunt au tour prochain. Je parle à mon deck. Hein. Oui, mais merci. Hein. Oh non. Vous êtes sérieux? Well played. Oh mon dieu, j'ai perdu la deuxième partie. Oh, je suis mad. Aïe, ça rigole pas l'arène. Hein. J'ai peut-être mal choisi mon deck. Bah, vous me direz ça dans les commentaires de toute façon. When you want. Bon, encore un petit lag de fin, c'est normal. Je commence à t'habituer. Oui, je sais, une seule mort encore et je suis mort. Et j'ai pas fait un seul. Une seule win. Alors on va espérer que maintenant on va winner la semaine prochaine. Sinon 3 épisodes pour une arène, ça va être un petit peu court. Donc j'essaierai de peut-être refaire une arène après. Bref, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, tout ça, blablabla. Vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à très vite la semaine prochaine, en tout cas pour du Hearthstone, pour la suite et peut-être la fin de mon arène. J'espère pas la fin. Allez, encouragez-moi si vous voulez dans les commentaires. De toute façon, ça sera déjà tourné, mais bon bref, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Bref, allez, ciao ciao.